Ils ont peur que les questions qui vont passer. Vous êtes sur la paix chrétienne. Ah, ils ont chrétien, il y a un don. Je ne pas les chanter. Hein. Non, mais il y a un bon Dieu. Je dis, il y a un don, il y a un don. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Amen. C'est pas ça. Mais où? Par la cagou, il plus est. Celui qui vit la vie de Dieu. En quoi là, quand même, pourquoi aimer? Petit Christ. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Tout âme forgée contre toi, minéca, lance-roquet, fétiche, accident. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Quel est mon secret? Je vous l'ai dit, mais dans le village, ce n'est pas une question de force, c'est une question d'avoir la foi, la parole de Dieu. Je crois bêtement à la parole. Quand Dieu a forgé contre toi, Ils ont dressé accident. Ils ont envoyé les gens pour te tuer. Ça ne pourra pas marcher. Allons-y. C'est le cours de la parole de Dieu. Et tout l'homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Elle est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez les Bibles? Aga Bible là-bas. Une Bible. Aga Bible là. Et bien les bases sont les Bibles. Aga Sébou, il y a une Bible là-bas. Pourquoi vous pouvez venir nous rencontrer des prières ou laisser vos Bibles là-bas? Aïe, d'accord. Vous pouvez aller à tes Bibles là-bas. Après, c'est pour critiquer Crasso. Aga Crasso, pardon. Oh, ça, là, vous êtes qui ne connaît pas le verset. Oh, il y a plus de 1000 versets. Non, mais il y a une licence en théologie, c'est que vous ne savez pas. Je suis en train de préparer mon doctorat en théologie. Un programme doctorat. Étudier et avoir des émises. Donc, si c'est le thème théologique, le pasteur va s'asseoir. Si c'est le Dieu qui gagne ça. Non, 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 non. Moi, quand on parle de quelqu'un, je ne le juge pas. Je cherche à quand on ne veut pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Oui, il y a tout qu'on connaît. Oui, il y a Amen. Amen. Alléluia. J'ai étudié la Bible d'abord. J'ai été d'abord pasteur missionnaire. Et non, pasteur, moi, on s'en a la goutte. Avant d'être prophète. Non, pas donc, j'ai étudié ça. Enseignement biblique. Le Bible, le verset dans ma tête. Non, mais vous voyez que je sais. Les pluies hébraïques, grecques, araméens. Il faut vous dire. Je dis, mais vous ne savez pas que Jésus, là, ça n'existe pas. En quoi, hébreu, n'est pas Jésus, n'est pas. Parce que la lettre J n'existe pas. Non, la lettre J, elle n'est pas. Il appelle Jésus Yeshua. Voilà, Yeshua. Il t'a dit Jésus. Le mot Jésus. La lettre J. Là, ici, aîné hébreu, alors même pour. Il a montré plein de choses pour Jean. Oui, il a dit qu'un qui est quoi? La Bible a été traduite. Bible, voilà, sans aucun. En français. Ah oui, c'est bien ça. Donc, Grasso, vous voyez là. Grasso, ma gueule. Il connaît Bible. Oh, Yume. Parce que pour le servir. Mais comment gagner? On fait la théologie, la connaissance. Et là, Yume, le mot. Le servir, il faut mieux le connaître. Et là, il faut encore gagner Yume, l'autre. Donc, l'ancien. Et qui est un bon jusqu'au Nouveau Testament. On comprend la gueule et le goût. Il et disons que vous priez, vous parlez des 30 et puis du coup, et zéro plus. Ceux qui ne connaissent pas la vie critique. Ouais, n'avez pas, et bon. Ici, vous êtes expert en critique. Ouais, il y a un, et bon, mais, oh, il faut quoi, il faut quoi. On s'en met souvent aussi. Mais il y en a un qui a un. Amen, bien, mes parents, vous n'êtes pas. Et puis, non, vous dites oui. Amen. Je suis tombé sur ton nouveau collier. Dis amen. À la gueule, je dis oui. Maintenant qu'on parle, il y a des gens qui essayent, mais on peut. Hey, yeah.
couvert. Pourquoi suis-je contre toi? Amen, qu'on a indiqué mon vous. N'est-ce pas, mon vous? Il y a deux connaissances pour la maison. Avant d'un brochure. Regardez là-bas. Au couvert. On doit vous en. Ouais, vous venez là, il y a trois votre terrain cadet. Nous sommes dans le bras d'un mercito. Ah, et pas un homme qui a fait un. Donc je fais un songe où je vois Jésus. Le, et il y a un meilleur Jésus. Je suis venu avec un coup. En cas il y avait des lucs. Il y avait quoi? Du quoi? Il m'a arrosé ça. Le, on se avec vous. Il dit, je te consacre. Alors je t'ai dit. Comme prophète. N'a plus de ça. Mais dans le passage d'Isaïe, Jérémie, le chapitre 1, le verset. Regarde, mais Jérémie 11, Jérémie 2, Jérémie pour être. Il va battre, arracher et tout ça. Oh là, les gars, moi, visionner, négocier, parler. Il m'a arrosé avec lui. Le sang avec Dieu. Ma consécration a été faite par Jésus. L'année, nous, Dieu, et puis moi, mais, pour parler, nous, c'est qui, notre Dieu. Quand je me réveille, les gars, parce que lui, là, cette consécration, lui, l'a commencé, mais Jésus, il est merveilleux. J'ai dit, on regarde, il est un peu beau. Dieu. Il ne ressemble pas à vos histoires, aux faits des saints. Allez, faut parler, en parler, moi, mais les cons, parlez, les cons. Est-ce que vous avez vu Jésus et le défi? Là, il y a deux, il y a un piquement, là, on a pas un bon. Ça, chez moi, il n'y a pas photo. Même la main d'un pied, on est, il y a une photo, ça lui ressemble. Il est plus, mille fois plus joli que ce qu'on voit. Oh, plus, puis, par contre, même qu'il y a un mien, il est plus beau. Il est difficile de fixer son pied. Le, et t'as le cavalier, la yéon, la yéon, la yéon, on y a, quand il y a été. Et vous, le dessiner. Là, il y a un grand kiké, bio. Même pas vu, je le dessine. Et n'y a pas, mon kiké, on est coupé avec vous. Non, il y a Jésus. Tu vois, c'est pas la photo, hein, Jésus. Mais comme un couple, là, il y a Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, mon pote. Tu vois, un vaudou, là, il y a quelle différence? Mon nez, à mon nez, vaudou, oui. Il y a un bout de couilles, quoi. Il y a deux bougies. Et j'en ai chier encore. Là, je suis là, je suis là, je dis, moi, encore, oui. Il y a des choses que je vais bannir. Oui, mais il y a un homme, alors, là, il y a un homme. Il s'adore un esprit. Là, quand vous pouvez vous, quoi. Il y a un homme. Vous comprenez pas, vous comprenez. Vous comprenez? Non, mais on peut vous dire non. Ne vous choque. C'est biblique. Écoute. Est-ce que vous avez dit la devant lui? Amen. Bon, et vous avez dit la devant Samaritain? Hein? Et vous avez dit Amen. Amen. Vous aimez les photos de Jésus, tu n'avez pas vu? Et là, Jésus est mon corps, une photo. Je me dis c'est photo de Jésus. D'autres me disent c'est Jésus. Ouais, Jésus a quand je vois ça. Amen. Parce que moi, j'ai déjà vu l'image de Jésus. Je l'ai déjà vu. Il y a un peu de temps. C'est pour ça que ma foi est grande. Mon voyage n'a pas été un cas de l'église. L'expérience avec Dieu, c'est comme ça. La gomme n'a été de. Il y a des apparitions des anges. Un qui doit envoyer un CV. Il y a des anges qui apparaissent dans ma chambre. Il y a 6 heures. Donc, non, je vais finir à 17 heures. Je ne prends pas le temps. Non, on met. Ok. Je ne prends pas le temps. Donc, il y a une personne qui vient de faire peut-être 5 minutes. Et quand il peut, de son premier. Voilà qu'on cause. Bien, le gars. Mais c'est une joie pas possible. Et non, mais même le cadre, ils vont me rouler. Et nous, on finit les gars 17 ans. À Gambadé, ils vont rouler. Beaucoup pour ça. Je suis étonné. Ni de la fin. Personne ne peut entrer dans ma chambre. Compris, au cas où compris. Je suis entendu en train de me parler. Il y a comme ça, dit. Amen. Mais. Je fais des expériences avec Dieu. Les gens, ils ont la caméra. Et les gens sont étonnés. On dit, ah, c'était un prophète qui détecte qu'on allait. Là, on a un problème, on s'en a dit, le brillant. Qui doit t'aider? Alors, il me dit le brillant. Le prophète, c'est un voyant. Comment je sais? Il m'a venu là-dessus tout à l'heure. Et là, c'est quoi? Donc, quand lui, il est resté dans mes yeux. Là, Dieu, puis là, il me réveillé. Un galon. Et j'ai eu l'impression que ce n'était plus un rêve. Et là, il y a un rêve. C'est une réalité parce que le rêve, non, oui. Tout mon corps. Et quand vous mon corps a été imbibé. Non, d'abord, tu y vas. Là, tu en vas, en haut. C'est en 98. Elle dit, non, oui, bon. Je voulais appuyer sur l'interrupteur. Et quand vous l'avez. Parce qu'il y avait un ton. J'ai une lumière venue. D'abord, c'est parce qu'il y avait un peu de plafond, amen. Et vous, le réveillez. Il n'est pas peur, je suis Jésus. Ah oui, Jésus, non, non. Moi, n'est pas peur. Non, non. Ton ministère sera la destruction des œuvres de la sorcellerie. Non, non, mais elle est là, vous avez mais gardez ça. Aucun sorcier ne pourra te tuer. Vous avez demandé. Aucun petit ne pourra te tuer. Vous avez demandé. Voilà comment j'ai reçu mon appel. Il n'y a rien à l'aller. D'accord. Je suis allé, je travaille comme missionnaire international. Mais non, non, c'est dans la boutique. J'ai un prix. C'est un prix. C'est un. Et puis quand même, je suis rentré. C'est le ministère des prophètes. Parce qu'on ne va pas à l'école d'un prophète. Oui, mais il faut pas s'en prendre le temps. Mais il n'y a pas mal à l'école. Aller à l'école pour avoir la formation théologique. Et le même gars, vous le il est le mieux de servir. Et quand on vient, il est immédiat. On conseille le ministère des prophètes. Et le peuple, c'est le ministère de la révélation. Et là, il y a comme oui. Là, quand t'as comme oui. Amen. Amen.
Donc le prophète est un voyant. Le prophète, on est comment? Oyezé. Celui qui voit. Oyezé. C'est tout. Mais bon. C'est la définition. Et ça serait bon. Prophète. 1 Samuel 9, 9. Vous avez dit. Dégage. Samuel. Et nous venons. Jérémie et nous venons. Dégage Samuel. Nous venons. Et nous venons. Jérémie et nous venons. Faut que je vous explique le mystère des prophètes. Et quand le prophète est un peu. Si vous voyez un prophète aller te dire un truc, on s'en fait l'ombre. Et quand il dit que cela. Parce qu'il a appelé à ça. Ou alors, on le veut pour, il est ennuyé. Amen. 1 Samuel 9, 9, on peut me dire. Dès qu'un Samuel est un nouveau, c'est un autre. Autrefois en Israël, quand on a. Comment vous appelez-vous? Le Pierre, le monsieur. Oui. Venez me saluer, vous allez vous en. Samuel 9-9. Samuel, nous autrefois, d'Israël n'a pas commencé ça, n'a pas complété, non, pour pas. Amen. Samuel, chapitre 9, le verset 9. Dika Samuel, non, voilà, et nous bien, c'est nous bien. Ah, d'accord. Allons-y. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, et allons voir le voyant. Quand celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelle autrefois le voyant. Amen. Amen. Celui qu'on appelle prophète aujourd'hui, son nom c'était le voyant. Amen. C'est celui qui voit. Même Jésus, il a été appelé prophète. Nous voyons dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 17. Qui a réclamé mon âme, c'est le bon pardon. Je vous lis la parole. On est ici, les gars. Il faut un prophète pour exercer ce ministère-là. Vous savez que d'abord, avec moi, Jésus même a dit un aveugle ne peut pas conduire. Ah, il y a un poulet là, j'ai dit, voilà. Il faut y aller. Avant qu'il y ait un poulet là. Aujourd'hui, si on n'a pas le temps de la voyance, c'est difficile. Ah, il y a des robes, et des serres, et des serres. Quelqu'un guérit pas. Il faut t'amener les têtes. Il y a des têtes qui confondent ce mot. Vous l'avez. C'est quoi que c'est? On a besoin de ça. Abandonner, il n'y a rien. Parce que le monde spirituel. Mais il a une liberté. Vous pouvez aller et qu'il n'y a rien. Tu conduis les gens. Et les comprends. Tu veux diriger des gens. Et quand tu comprends. Et là, la carte, il y a une connaissance. Il y a une liberté. C'est quand tu comprends. Amen. Moi, avant de rentrer dans le village, il y a déjà le village dans ma main. Amen, parce que vous me dites, mais vous me dites, et quand vous me dites, je sais qu'il y a plus de temps. Il y a le Seigneur, le Seigneur. Il y a le Seigneur, le Seigneur. Oui. La Bible dit avant de rentrer dans la maison, il faut que l'enfant d'abord soit lié. Mais il faut que je brille, il y a un combat d'abord, il y a brille. Et j'ai le pouvoir de lier. L'incarné, c'est un gars, c'est un gars pro. C'est là quelqu'un qui s'est amusé là tomber. Mais pourquoi on a dit on est établi? C'est pas amusant. Qui est le beau? On est beau, c'est vrai. Moi, mais je veux que quelqu'un m'attaque. Ah, nous, on a encore une feuille à pied. Il y a quelqu'un le veut, il faut l'attaquer. Il y a une loyer, on est d'accord. Après. Après, là. Faut tester. Faut tester. C'est qui est là? Aïe, 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 là. Aïe, aïe, à pied. C'est test. Aïe, aïe, à pied. On fait la lecture. Jean le chapitre 4, à partir du verset 17, on fait la lecture. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as raison de dire. Je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et la femme a fini ça. Seigneur, lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré Jésus. Non, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Quelle est l'histoire? Jésus rencontre une femme, on appelle la femme samaritaine.
Jésus dit, mais moi je vais donner mon dos. Jésus dit, après moi ton mari. Oh la vie. Et 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 la vie.